le boulanger, il va faire du pain, mais pas seulement, il va aussi travailler avec tout ce qui est viennoiserie, donc les croissants, les pains au chocolat, la brioche également, et des viennoiseries un petit peu plus élaborées avec des garnitures plus spécifiques aux fruits, ou au chocolat, ou praliné. Le boulanger va pouvoir travailler en entreprise artisanale, donc les boulangeries et pâtisseries qu'on connaît tous dans les différentes communes, mais aussi dans les grandes surfaces. On peut aussi travailler après en tant que formateur directement chez les fournisseurs ou commercial pour vendre justement les matières premières et tout ça, ça permet d'avoir le lien avec les patrons directement. Pour être boulanger, les conditions requises, c'est le fait d'être, il faut être travailleur déjà, il faut aimer travailler avec ses mains, quand même avoir une bonne dextérité, on est toujours en train de toucher la pâte et les différentes matières. Il faut aimer ce qu'on fait, donc il faut aussi aimer manger du pain, manger des viennoiseries pour savoir ce qu'on va donner aux clients. Après, il faut quand même aimer se lever tôt. On ne commence pas aussi tôt qu'avant. Maintenant, ils vont plutôt commencer vers 5 heures peut-être le matin. C'est une contrainte quand même de se lever à cette heure-là, mais au final, il faut être bonheur. En général, vers 13 heures, la journée est finie. Ça laisse toute l'après-midi derrière pour faire ce qu'on veut, s'organiser comme on veut. La formation en boulangerie est une formation en apprentissage, donc avec une alternance en cours et en entreprise, donc des semaines de cours à l'URMA et des semaines en entreprise pour acquérir les compétences liées au métier. Donc, pour accéder pour devenir boulanger, en fait, vous allez pouvoir commencer la formation par un CAP boulanger en 2 ans. Et par exemple, vous aurez possibilité aussi de compléter cette formation par une mention complémentaire pour boulanger spécialisé. Afin d'enrichir vos compétences. La possibilité ensuite d'accéder également à un brevet professionnel, donc BP boulanger en 2 ans également, qui lui vous permettra d'accéder à des postes, par exemple, de responsable de production. Donc ces formations sont accessibles à la formation adulte. Donc, notre rôle ici à l'URMA Maine-et-Loire, c'est de vous accompagner dans la construction de votre projet, de la préinscription jusqu'à la mise en relation avec l'entreprise, donc la signature du contrat vous permettant de démarrer la formation. Donc, nous resterons votre interface tout au long du cursus, de façon à vous accompagner et vous conseiller au mieux dans la réussite de votre parcours.